Avec l'éditorial du jour titré Rétablissement de la sécurité, Monsieur Tillabli n'y croit pas. En le renversant, on n'aura abattu que le tronc de l'arbre de l'insécurité et du kidnapping. Mais il repoussera car ses racines sont nombreuses et profondes. Ainsi aurait parlé Monsieur Tillabli, chef du gang de Gravine, dans un audio disponible sur les réseaux sociaux. Qui a planté l'eau ayant donné naissance à cette petite pluie menaçante? Qui a dit à M. Tillabli que des gangs armés n'existeront plus lorsqu'il aura disparu? Le grand banditisme se développe vite dans les endroits où l'argent coule à flot. Mais aujourd'hui, des entreprises s'éteignent une à une. Donc, le taux de criminalité s'en trouve relativement faible. Il existe une autre source d'insécurité dont on ne parle toujours pas. Le marché haïtien a longtemps été très restreint. Le pouvoir d'achat des ménages est en baisse perpétuelle. Presque 99% ceux qui sont dans les affaires ici deviennent vraiment riches par des manœuvres subreptices et déloyales. On aurait tendance à parler d'une certaine expansion économique en matière immobilière. Il faut en rire. À peine 10% de maisons sont légales sur le plan foncier. Les vols de terrain sont monnaie courante. Majoritairement, le capital ayant servi à la construction de certaines maisons provient d'activités illicites telles que le trafic de stupéfiants, les activités criminelles, la corruption, le trafic d'armes et certains types de fraudes fiscales, etc. Nos compatriotes de la diaspora investissent aussi dans l'immobilier, mais en grande partie dans les bidonvilles. Ces maisons se construisent brique par brique en transférant de l'argent à petits coups. L'insécurité est partout, nous la créons de différentes manières. Robinson d'Haïti, n'a pas rappelé aussi l'éditorialiste de l'émission Matin Débat et numéro de contact de Robinson d'Haïti. C'est le 31 55 43 25, numéro ça, au capable de l'île pour commenter l'éditorial avec lui. Et éditorial passé, ça jeudi, bien entendu, c'est éditorial, c'est la pensée même de l'émission. Et nous allons faire contact avec Robinson pour nous capable de commenter l'éditorial là, comme d'habitude. Et numéro de contact Robinson d'Haïti, c'est 31 55 43 25. Vous êtes capable de relayer pour capable continuer faire discussion, faire débat avec lui sous éditorial. Dans le tableau éditorial aujourd'hui, titré Rétablissement de la sécurité, Monsieur Tillabli n'y croit pas. Robinson d'Haïti, ou avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat. Bonjour Matin Débat, bonjour Maître Alexis Dor, bonjour au député Pierre-Martin Tatout, bonjour et à Esaïe César, que nous pas, et même s'il intervenait de temps en temps par téléphone, il me dit content que lui rétabli. Et puis me saluer Loco Désir au côté d'IA, probablement par l'émission, et me saluer toute auditrice, auditeur après des noms, équipe technique là. Et nous ensemble, matin, pour nous commenter l'éditorial qui titrerait Rétablissement de la sécurité, Monsieur Tillabli n'y croit pas. Et moi, au prêter, et belle phrase ça, belle parole ça, de tout, c'est l'ouverture pour capable et parler. Voilà, pour qui raison? Et bon, gon audio qui a circulé depuis hier, je crois, sur tous les réseaux sociaux. Côté Monsieur Tillabli a dit, il pensait que si on éliminait ISO dans le village de Dieu, pas bien gang armé encore et pas bien insécurité encore.
Donc, si ça samedi, bon, et en le renversant, on aura abattu que le tronc de l'arbre de l'insécurité du kidnapping, mais il repoussera par ses racines, et il repoussera car ses racines sont nombreuses et profondes. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, ces chefs de gang-là se prennent au sérieux, Maître Lixidor. Mm-hmm. Hey, y a pas personne m'a demandé, M. Tilabli, et s'il est mort, date chef de gang a mouru vraiment. Mm-hmm. On bat être chef de gang mouru déjà, mais tout récemment là, Anel Joseph mouru. Mm-hmm. Eh bien, bah, Tilabli toujours là. À part M. Iso toujours là. Mm-hmm. Il est toujours là. Pas de souci dans ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que si. Bien avant, il y a Audemars qui est mort. Bien tout près. Audemars. Mm-hmm. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça fait longtemps que des chefs de gang a mouru. Il y a des gens qui m'ont dit, et M. Tilabli, explication. Et possiblement et rétablissement de sécurité en Haïti. Donc, mais ça a tellement pris aussi tête au sérieux, je dis même si Oda Mouri a toujours gagné des gangs armés. Bon, maintenant, l'autre dit ça, je t'avais dit. Ça veut dire que, pour que tous les hauts. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Alors, Robinson d'Haïti, et j'en pose un problème là. Est-ce que c'est vous voulez dire que résolution ou bien solution à problème de criminalité, d'insécurité, de kidnapping que nous vivons là aujourd'hui, hein? solution n'est pas seulement dans essayer éliminer chef de gang yo, c'est à une solution. Alors solution est plus profonde que ça, c'est ça? Mais oui, solution en plus profonde. En réalité, c'est dans tous les pays du monde que y a insécurité, disons mieux, insécurité, ok? Mm-hmm. Et ça crivé, moi-même, mon tigeant choqué par la déclaration de M. Tilapia, et ça crée dans le texte, m'a dit qui est-ce qui t'est arrivé planter de l'OTA et qui va être Tilapu, en même temps Tilapu qui m'a dérangé, son Tilapu qui est très menaçant. Ok, m'a demandé qui est-ce qui était planté de l'eau, ça, qui vient en récolte assez rapide, et puis il dit, on t'y l'appli très menaçante, je ne veux pas dire. Bon, tout côté de l'argent qui a brassé, tout côté de l'argent qui a coulé à flot, toujours gagne insécurité. Bon, qui l'argent là, bien en Haïti pour gagner insécurité? Il n'y a pas de grand banditisme. À toi là, nous avons insécurité. Bon, bah, c'est très simple. Ouais, en dedans, en dedans et quartier populaire côté et gang de siégeants, il y a même qu'à opérer là. Parce que nous n'avons pas qu'à faire boutique, nous n'avons pas qu'à faire commerce, nous n'avons pas qu'à faire rien. C'est-à-dire, même si tu as voulu être en dedans, puis on rançon des mots, donc, pour gang l'en fonctionner, même pas un côté pour le fonctionner, pour que l'argent brasse côté, lui, côté la fonctionnaire. C'est-à-dire que je ne veux dire, ils ont quitté l'espace-là, même si habité dans l'espace-là, et puis, il y a le rançon des mondes dehors, il y a le détourné des camions, etc. C'est côté l'argent brassé. Il y a des grands pays, côté il y a des grands business. Ah oui, il y a une sécurité. Mais l'État, il veut continuer bagaille ça. Mm-hmm. Imaginez, chaque fois qu'on a grité le fond bagaille, on salte, le fond zac, il était impuni. À chaque fois que le monde a été impuni, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mm-hmm. Les zac, ils ont puni le monde qui fait zac là. Mm-hmm. Mais il se trouve que je ne veux dire, bon, donc, qui business, je ne veux dire, pas qu'il existe un problème. Tout le business a péri, graine par graine, je ne veux dire, et puis on a parlé du grand banditisme. Le grand banditisme, c'est pourquoi développer. C'est les pays qui ont développé vrai. C'est-à-dire qu'ils ont pire business. Ils ont, grand président, qui dit, comme ça, Haïti is open for business. Les Haïti open for business, vraiment, grand pire business, c'est l'essor pour le développement de la mafia. Mais je veux dire, laisse arriver pour que l'État mette sous lui-même pour être capable de contenir. Et tout bagage ça, tu l'as dit, pour capable de contrôle chef de gang, pour capable de contrôle bandit, et pour business au marché. Tout côté de business, tout côté de l'argent, il y a attiré la mafia, il y a attiré des bandits. Mm-hmm. Et là, ça ne me pas comprendre les déclarations, et M. Tilapia qui dit si on tue le tué Iso, et a toujours des gangs. Mais ça ne va pas personne, on ne va pas personne, on ne demande pas M. Tilapli explication sur ça. Mm-hmm. De toute manière, il y a des chefs de gang qui étaient morts. Possiblement là, oui, parce que tout le monde tourne. Donc, c'est des bagailles qui sont privées quand même. Mm-hmm. Mais afin de grands banditismes qui existent, hein, et les partisans, grands banditismes, il a parlé d'insécurité, il a parlé de grands banditismes, il a parlé de la criminalité organisée, parce que personne ne dit une tête droite et chita sous les épaules, prendre pour reposer grande criminalité organisée, pour reposer le grand banditisme. D'eau, M. Tilapli à M. Iso, en sérieux. Mm-hmm. M. Tilapli, nous disons que M. Tilapli prend très au sérieux cette année. Robinson d'Haïti, est-ce que déclaration ça a tout
li pa voye nou a san ap di chak jou kote ke monsieur yo se pa yo menm ki veritab problèm nan. Véritable problème non j'ai yo toujours à dire tout yo pas gain visa yo pas voyager yo d'ailleurs dans mode opératoire yo wap wè yo piaté yo do tout ni gain ka boxer gain tout dans déclaration par exemple dans témoignage yo nan religieux yo et yo fait avec un média français côté que il parlait de grand goût moun kap sive yo a dit dans même gang nan moun kap sive yo lorsque otage nan li pas manger li bon pou moun yo et alors même yo même encore oui parce que yo connaît yo pral manger hein yo nan grand goût ça veut dire tout simplement comme ça pile l'argent ça y a mené hein y a mandé lorsque vous kidnappé un moun nan c'est pas ta yo même directement comme ça ta joine est-ce que c'est pas là tout nous pas ka interpréter déclaration ça et monsieur Tilapliant bon je dis le texte le Tilapliant qui dit que bon c'est pas yo même qui véritable problème nan. Donc si nous besoin résoudre problème non, c'est pas sous yo pour nous ta commencer mais c'est aller à la source même. Bon, même premièrement et M. Tidon Mabdou monsieur Tilapi pas pour le dire et c'est pas les mêmes qui véritable problème non, parce que ça intéresse personne, tout le monde qui gagne tête sur ses épaules yo. Donc on est bien, c'est pas monsieur Tilapi qui problème là, et sont juste son élément qu'il dit. Mais bon non-sens là et on va permettre moi c'est du bullshitage bagage ça bagage mon a campé bagage chef gang a campé et pour parler pour dire comme ça on va pas contre voyager bon on va pas contre voyager pour des amis pour dire non merci bon pas jamais dire non merci on dit on va pas contre voyager ça veut dire on va pas contre voyager là on peut des amis pour dire non merci on pas besoin on sont malheureux pieds à terre on descend dans l'ampio et si vous êtes sur c'est comme ça qu'on fait. Non, ça va pas être ça fait bagage chef gang a bin dit on va pas voyager c'est mon dieu ouais bon comment fait d'autres personnes et la population pas en contact avec monde qui connaît des amis ça c'est une connexion une relation qui est établie c'est pour chef de gang ça et couper relation et puis voilà. Alors sans vouloir défendre Benson d'Haïti, est-ce que tout si une situation sociale qui était stable et côté que gagne l'école, il y a l'école, yo apprendre, yo gagne métier dans mais yo te intégré au vrai dans société là, yo t'a ouvert parce que quoi fréquent pour monde d'Afrique quand vous t'a venir offrir ça moi-même. Donc pour t'a venir offrir ça moi-même. Donc c'est sûr que est-ce que si quelque part société l'état et assumer responsabilité dans l'école dans permettre que jeune l'école jeune des formations yo t'a possible vulnérable. Bonjour et mettre l'accident. Ou dis-moi ça et fréquent pour mon africain pour ta ville dans les âmes bao. Là il est pas plus bon que monsieur Tilapli monsieur Izo. Ni ou même tout pas plus bon que monsieur Tilapli et monsieur Izo. Non. Nous avons fait un choix. Nous faisons un choix pour ne pas entrer dans le banditisme, pour ne pas entrer dans la criminalité organisée. Ni ou même bonjour côté à vivre là et que de monde que d'intellectuels. Vous-même qui l'a, je veux dire, dans ma tête débat, capable de mater débat, ça ne veut pas dire qu'on va grandir dans les quartiers populaires. Donc, tout le monde qui grandit dans les quartiers populaires et qui n'a pas qu'un des âmes. L'esprit criminel qui m'a tête, tu vois, etc. C'est vrai, bon ambiance. Là, ma bête, c'est bon ambiance, bon précarité. Ça vient d'être très vulnérable. Les gens, pour ton baïo, pour ton âme baïo, pour y'a vivre, y'a prendre. Mais ça pas veut dire, moi-même, pas voulu, prendre des prétextes, côté m'en des prétextes pour me dire ça. Bon, c'est parce que l'État va faire un bout. Qui ça l'État fait pour mettre l'Exidor? Qui ça l'État fait pour Robinson d'Haïti? Qui ça l'État fait pour Pierre Martin Tatous? Bon, m'a pas dit qui ça l'État fait pour Pierre Martin Tatous, parce qu'il a été député, l'État a rempli le boulot, possiblement. Mais qui ça l'État fait pour Isaïe César, par exemple? Qui ça l'État fait pour Louko Désir? L'État pas fait rien pour personne. Mais ça ne veut pas dire que nous entrons dans la gang, nous entrons dans le banditisme. Mais le texte est maître Exidor, je voulais souligner un bagage. On est là à faire Zamza, et il y a des gens qui parlent Zam. Et tout le monde qui a fait la sécurité, qui a fait la criminalité et l'insécurité, je ne veux dire. Par exemple, il y a une autre source de sécurité que nous signalons dans le texte, là, évidemment. Bonjour, maître Exidor. Dans le pays, ça, là, le marché haïtien très restreint et pouvoir d'achat moun yo famille yo en baisse perpétuelle chaque jour qu'a passé frère nous plus pas casser ça nous gain besoin comment t'as voulu pour gagner des moun riches dans pays quel que soit moun là et presque à 99% de moun qu'a fait affaire qui n'a business dans pays depuis on vit très 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 riche on met connait dans des activités wrong c'est-à-dire dans des manœuvres subreptices et déloyales, j'aime bien là.
C'est-à-dire, mm-hmm. C'est-à-dire, moun sa, qui n'a activité ou qui n'a activité à l'obéli, pour le vivre, combien de monde qui est victime de moun sa? Mm-hmm. C'est nous tous qui engagez nous net dans l'insécurité à la. L'autre dans les villes, je vous dis, j'ai marché là pour mon juste. Bon, mettre l'excédent, font business. En tant qu'avocat, créer un cabinet comme ça, un cabinet d'avocat. Bon, défi pour très riche avec sur été honnête. Mm-hmm. Bon, défi pour être riche. Un médecin, par exemple, qui a un petit cabinet, qui a une petite clinique là. Bon, défi riche. S'il était honnête. On va prendre des mounio parce qu'il y a plein qui dit ah, docteur, ça dépourrivé devant Césarienne. On va prendre des mounio. Ça dit mounio toujours gagner des activités qui amènent des manœuvres déloyales, des activités rondes, plus riches. Parce que ça, sont formes d'insécurité dont on ne parle pas très souvent. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Bon, l'autre bagarre encore qui est extrêmement important, dans l'affaire insécurité. Là, monsieur, c'est la pique du monde. Insécurité, elle pas quoi la donne, là, je veux dire. Mais pas du monde qui quoi la donne tout. Je ne vais pas mélanger là. À qui monde qui prend toute charge de sécurité paysan pour le prendre, pour le reposer sous dos, monsieur Tilapé à monsieur Lise? Non, absolument pas. Par exemple, grande expansion économique en matière immobilière, je ne veux dire. Deux belles cailles, ouais, je ne veux dire. Mais, Kaisa, dans Binoville, il y a tout vu. Non, premièrement, dans Binoville, grand pile belle caille. Mais, soit regardez bien, c'est à peu près 10% dans Kaisa, légal, lui, sur le plan foncier. Mm-hmm. Après, toute l'autre belle caille, ouais, là. Toutes ces thèmes où on vole, ou peut-être si on va voler, si on va voler, théâtre, on construit belle caille, là, comme on bâtit là, on va connaître une sortie d'activité illicite, tant que trafic de stupéfiants, activité criminelle, corruption, trafic d'armes et fraude fiscale. Est-ce que c'est nous tous qui entrons dans le même bagage, ça, insécurité, ça? C'est nous-mêmes qui avons créé l'insécurité. C'est pas que ce soit de M. Tilapli, M. Iso, etc. Il y a grand pile de monde qui la donne. Donc, bon, problème nous plus que ça, nous, là, M. Owenson. Donc, problème nous plus que ça, nous avons gardé là. Ah, problème plus que ça. Par exemple, moi, je parle à qui on zamim, et hier, pendant ma pétrie éditoriale là, évidemment, et puis, il dit, bon, ça, non, Robinson, il ne faut pas dire ça pour faire bel caillou. Diaspora bâti un pile bel caillou. Mes amis, qui diaspora bâti un pile bel caillou là, frère? Tout petit caillou, diaspora arrive bâti à Haïti là, c'est un ami non venu. Et tout ça va être difficilement, frère. Difficilement. C'est l'essai de petit caille qui a construit brique par brique. Vous voyez, tu transfères l'argent petit à petit. Il n'est pas capable. C'est 600 dollars, vous voyez, 50 dollars, 200 dollars pour voir si la fin, finalement la fin construit. Et là encore, bon garantie, on va gagner qu'il n'y a pas joué quand ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'insécurité est partout et on a créé de différentes manière. Là, monsieur Tilapi a parlé là, vous dites, bon, oui, bah, non, c'est pas vrai. Personne ne fait des monde qui ont égard vraiment pour monsieur Tilapi, à monsieur Iso. Nous avons un problème d'insécurité globale. Faut que nous résoudre problème ça, mettre l'exidor. Merci un pile, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, mettre l'exidor. À demain, matin débat. Voilà. Et on a rappelé, ça c'était éditorialiste, nous, Robinson d'Haïti. Et numéro de contact avec Robinson d'Haïti, c'est 31 55 43 25. Ou capable de relayer pour continuer parler, continuer faire débat avec lui sous éditorial.